Salut à tous. Donc on se retrouve pour le procès. Donc chapitre 2 de la même affaire. Donc voilà le Fame Hunter. Donc un Benjamin Hunter, il s'appelle Miles Edgeworth en anglais. J'ai jamais trop compris pourquoi traduire un nom pour remettre un nom anglais. Peut-être que c'est plus parlant pour des Français. Hunter, on sait ce que ça veut dire. Mais bon. Oh, une bouteille. Non, je déconne. C'est le corps. Voilà, donc maintenant on rentre direct dans le vif du sujet. Ça fait direct les témoignages, j'ai pas de gros blabla comme dans la première affaire. C'est n'importe quoi ça. Bah, sinon elle peut se défendre toute seule. Hein. Personne n'a vu qu'elle lui a balancé une boulette de papier, bien sûr. Donc en gros ce qu'ils disent hein, c'est de faire attaquer à chaque fois. Alors j'ai toujours pas configuré le micro pour appuyer sur Y et faire un instant. Mais bon, c'est pas... Voilà quoi. Enfin, en gros j'ai pas pensé on voit putain. En vrai, on n'a pas besoin d'attaquer tous les trucs, hein. Juste voir sur quoi il faut des infos supplémentaires.
Donc, je connais pas par cœur. Il sait même plus ce qu'il a dit. T'as même les gens dans le dans le public. Il l'a dit. Ok. Ce serait bien qu'on fasse attaquer et là il lui en lance un couteau dans la gueule. Ce serait une vraie attaque. Voilà, et là il modifie normalement. Et en général, vu que c'est le début du jeu. Il n'y a pas besoin de le faire 50 fois de suite. Ah mais il faudra que ce soit elle qui l'ait écrit aussi. N'importe quoi, juge. Il est là juste pour engueuler les gens, t'sais. Enfin, en vrai, c'est trop un spectateur. Ouais. Donc là, on va quand même regarder. Au dos d'un grand magasin, ouais. On s'en fiche. Ah bah voilà. Morte sur le coup, morte sur le coup. Alors je passe si c'est cette phrase qu'il faut contredire ou la suivante. Voilà, je pense que c'est plutôt là-dessus. Donc elle est morte sur le coup. Elle est pourrie sa voix en français. Bon ça va, elle est moins, plus pour... elle est moins pourrie que celle de Phoenix Wright. Comme par hasard, petit enflure.
Et là, on commence à se dire, je crois que les preuves truquées, c'est peut-être vrai. C'est de fait. On se retrouvera à la récré. Non, je déconne. Non, il servait à rien le dialogue d'avant. Ah, je me rappelle vraiment pas comment se déroulent les affaires. En fait, à chaque fois, je me rappelle qui est le coupable. Et à peu près les preuves décisives, mais je me rappelle pas. Voilà, le jeu, je l'ai fait il y a quand même pas mal d'années. Tant mieux, hein, je le redécouvre comme ça. Bon, autant là pour l'instant ça va. Après, je risque de bien galérer. D'ailleurs, dites-moi si vous préférez me voir galérer sur le jeu, mais que les vidéos risquent de durer un peu longtemps. Déjà qu'elle dure pas, pas mal de temps, ou si vous préférez que voilà que je rejoue un peu d'avance pour pas non plus. Après, je suis bon, j'ai quand même fait tous les Phoenix Wright. Je pense que je devrais me démerder. Même si les, c'est vrai que la dernière affaire là du 1, c'est l'enfer. L'avant-dernière est pas mal non plus. Elle s'appelle Mash Avril, hein, si vous n'avez pas compris, ça fait Mars Avril en fait. C'est marrant. Il y a des lesbiennes. Et là, oulala, j'ai vu une femme. Je sais pourquoi je l'imagine trop parler comme ça. On a dit stop les clins d'œil.
J'en vérifie les heures. Elle est morte. Ça manquait. rapport d'autopsie, peut-être. Ouais, les éclats de verre, c'est sympa, tout ça. Putain, mais elle est morte à quelle heure, bordel? C'est 21h. Ouais. Là, elle parle plus. À ce soir, 9h. C'est lié à ce soir, 9h. Ouais, ça colle, hein, pour l'instant. C'est pas trop... Allez, on n'a rien à perdre. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que... Ça, c'est ce qu'elle voit. Mia, elle est morte. Là. Je dis là en montrant avec ma souris, mais vous voyez pas ma souris, je suis con. Peut-être que je devrais laisser ma souris finalement. Ouais. Ouais, enfin, elle est morte un peu à droite de son champ de vision. C'est ça, hein. Elle avait un plan, elle est où? Non, y'a que ça? Merde. Toi, il nous avait montré sur... merde, merde, merde. Vous montez ou vous n'avez rien vu? Je m'en rappelle pas, en vrai. Allez, on va dire ça. Ouais, ça fallait la trouver celle-là. Ouais, c'est-à-dire qu'elle a vraiment jamais vu en fait. C'est sûr. Et là, si on regarde le champ de vision, elle doit pas trop l'avoir. Pas trop impressionné lui. Allez, on va la défoncer. Refais-nous ce témoignage. Habillé en hippie, what the fuck? Elle a déjà vu des hippies, elle? Oh là, mais pas du tout un peu. Oh
Bon, déjà, là j'ai trouvé la contradiction déjà. Donc, ça on s'en fout. On s'en fout. On s'en fout. On s'en fout. Voilà, c'est ça qui va pas. Elle parle d'une pendule statue, le penseur, je pense. Bon, bon ça c'est peut-être un jeu de mots pourri, le penseur, je pense. Et surtout pendule statue, alors que. C'est impossible de savoir que c'est une pendule. Sans l'avoir vu de très près, ou. Enfin, ou qu'on lui ait dit, quoi. Donc là. Là, il y a une putain de contradiction. Elle est trop ridicule, c'est n'importe quoi. On commence à reprendre l'avantage. C'est vrai. Ça doit être ça. On va vérifier, hein.
Sauf que ça dit pas quand. Ah, ce soir 9h. Donc c'était pas le soir ou... Le truc c'est que si on dit ça, ça veut dire que c'était avant que Mia arrive, mais elle a très bien pu entendre la pendule sonner avant. Sauf qu'elle avait dit qu'elle était pas à sa chambre d'hôtel avant. Putain. Bon, après là, bon, c'est sûr que c'est ça la preuve. Mais elle a très bien pu l'entendre la veille, ou on sait pas trop depuis quand elle est à l'hôtel. On va voir. On va voir, mais je pense que c'est ça. De toute façon, c'est ça la preuve, c'est sûr. What the Voilà, ça c'est notre seule force contre Hunter, c'est que lui, il a pas, il a des preuves qu'il a pas vu quoi. Ah mais 9h27 du matin, putain je suis con. Je pensais à 9h tout à l'heure, mais oui, c'était 9h du soir, c'est 21h. Putain, mais je me rappelais pas qu'elle a dit qu'elle était arrivée le soir à l'hôtel. Alors, je l'ai vu dans un magasin, une réplique. Bah oui. Donc, se rappeler, hein, dans la première affaire, on sait que c'est Paul qui les a faites, donc, ça doit être la première elle-même. Ouais, fabriquée par Paul Duffus. Les gars, ils fabriquent des trucs pour faire des meurtres en fait. Oh oh oh! Punchline. C'est n'importe quoi. C'est ma véritable forme. What the fuck? Ça fait trop peur. What the fuck? Le gros dédoublement de personnalité, quoi.
Je pense que c'est ça. On sait hein, que c'est pas le meurtrier de toute façon. Peut-être que ça, ouais, bah la bande d'écoute, le téléphone. Oh, oh merde, qu'est-ce que ça fait là? Oh merde, ce feu. Bon là, on dirait qu'Hunter est nul, hein, mais c'est parce que c'est... C'est la première vraie affaire, elle est pas très compliquée. Là encore, c'est quoi? Ouais, elle parle clairement du penseur, le dealer, c'est une pendule. Pardon. Easy, quoi. Forcément, c'est la preuve qu'Hunter a pas, donc il pouvait pas se défendre comme ça, quoi. Bon, nous on le sait que c'est pas elle qui l'a tué donc. Même si forcément, de leur point de vue, on penserait que ça serait elle quoi. Parce qu'on connaît pas l'autre, le mec qu'on a vu dans l'intro. Allez, moi je veux bien, je te connais.
On va faire ça. En plus, c'est le groom qui nous parlait de Monsieur White là. Il a peut-être des preuves ou quoi que ce soit. C'est chaud. On n'a pas le choix. N'importe quoi, tomber dans le piège. Faut se calmer les gens, c'est juste une cour. Hein. Encore un qui a la tête d'un pot. Le gars il vient avec son plateau et tout. Mais what the fuck? Sinon il peut poser le service à télé. On va quand même dire que ça accélère comme ça, c'est que c'est la fin. Ah. Début de la fin. Du procès. On va y arriver. Ça, on s'en fout. Faut pas prouver le contraire. Ça, c'est louche. C'est chaud là, hein, un petit peu. Comment il roule, c'est trop drôle. Mais grave.
Putain de merde. Putain, c'est chaud là, faut pas que je perde là, putain! 40 minutes de vidéo et peut-être pour commencer. Non, ça doit être dans le scénario. La préparation des lits, non. L'arrivée de quoi? Bah, ça peut être que l'arrivée, le reste on s'en branle. Là, si je me gourre, je perds. Est-ce que j'arrête la vidéo là? On va faire ça. Déçu. Oh putain, la preuve de ouf. Non mais je pense que les trois réponses donnaient cette information. On le fait. Donc il s'est absenté entre les deux. Genre, pourquoi il posait la question, hein? C'était logique. Voilà, donc on n'aura pas la fin tout de suite. Donc on aura encore une phase d'investigation après. Vous verrez plus tard dans le jeu, il y a des affaires plus importantes, on va dire, qui concernent les persos principaux, je vous en dis pas plus. Mais...
À partir de. Il y en a une, bah, c'est l'affaire numéro 4. Je verrai ça. En fait, les... ça va crescendo, les affaires sont de mieux en mieux. Trop bizarre parce qu'elle nous tutoie alors que nous on l'avoue. Hein. Voilà, on regarde ça pour la suite. On commence à avoir pas mal de preuves dans le dossier. Donc on sait toujours pas pourquoi il l'a tué. Et puis faut qu'on le trouve déjà. Donc voilà, bah je vous laisse ici. Il y aura la prochaine fois une phase d'investigation un peu plus intéressante que la précédente. Et puis après il y aura une phase de tribunal, donc je ferai une vidéo pour chaque normalement, sauf si ça dure vraiment trop longtemps, je les couperai en deux. Voilà. Donc j'espère que vous avez apprécié cette vidéo, et puis merci de laisser des commentaires. Allez, salut.